Je suis très content de faire cette vidéo pédagogique aujourd'hui sur le bottleneck et le jeu en slide. Je vous propose de décortiquer notre morceau I'm a Bluesman qui est dans notre album qui vient de sortir le 28 septembre pour les 10 ans du groupe. Alors avant de commencer, j'aimerais voir quelques petits détails, notamment l'accordage de la guitare qui est en open tuning, c'est-à-dire que quand on joue les cordes à vide, il y a déjà un accord qui est accordé, c'est un accord de Mi. Et donc du grave à l'aigu, au lieu d'avoir Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, on va avoir Mi, Si, Mi, Sol, dièse, Si, Mi. Mais en fait, je suis accordé un demi-ton en dessous pour des histoires de son. Donc toutes les notes vont être un demi-ton en dessous, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez avoir Mi bémol, Si bémol, Mi bémol, Sol, Si bémol, Mi bémol.
Deuxième chose que j'aimerais vous présenter, c'est le réglage de la guitare. Je surélève légèrement les cordes par rapport à un jeu normal, de manière à ce que le bottleneck ne vienne pas toucher les frettes quand on joue, juste effleurer les cordes pour jouer la note, de manière à ce que l'on n'entende pas des bruits parasites. Encore une petite chose, le bottleneck, j'utilise un bottleneck en verre, mais il en existe en laiton ou en céramique ou en métal. À vous de choisir, la seule chose que je vous conseille, c'est de prendre, peut-être si vous voyez la caméra, un bottleneck assez épais, qui a du coup une force d'inertie plus importante et qui va avoir plus de sustain. Voilà, je pense que plus le bottleneck est épais, plus on a de sustain. Ensuite, j'aimerais vous parler de la position du bottleneck et de l'étouffement des cordes. Pour avoir une note qui est juste, il faut que le bottleneck soit parallèle aux frettes. Si vous jouez légèrement décalé comme ceci, vous allez avoir des notes qui risquent de ne pas être justes. Et il faut aussi que le bottleneck soit bien au-dessus de la frette. Si vous jouez au milieu de la case comme on jouerait si on joue en fretté, c'est-à-dire avec les doigts, vous allez être faux. Ça va donner ceci. Vous voyez, je suis au milieu de la case et ça sonne faux. Alors que si je vais sur la frette, c'est comme ça que l'on est juste. De même, il faut bien penser au niveau de la main droite à étouffer les cordes que vous ne jouez pas, sinon vous allez avoir des bruits ou des notes parasites. Et j'étouffe les cordes graves avec la paume de la main et les cordes aiguës que je ne veux pas avec les doigts qui me restent, puisque je joue au médiator avec les deux premiers doigts, pour avoir ainsi une note bien claire. Les notes ici avec mes doigts pendant que je joue la note grave. Dernier petit détail que j'aimerais aborder avec vous, c'est le vibrato et le slide. Quand on joue une note, on peut la jouer droite. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est de mettre un vibrato simplement sur quand on joue fretté, c'est-à-dire avec les doigts sur la corde, on part de la note et forcément on fait un vibrato qui est supérieur, comme ceci. Avec le bottleneck, on peut faire un vibrato qui parte d'en dessous ou qui parte du dessus, voire les deux. À vous de choisir. Ça donne ceci. Un vibrato qui est en dessous. Maintenant, le vibrato supérieur. Voilà. Moi, je préfère personnellement le vibrato qui part légèrement en dessous. Voilà, en n'oubliant pas de revenir toujours le bottleneck parallèle à la frette pour être bien juste. Au niveau de la note, on peut aussi attaquer les notes en slide, d'où le nom, soit en slide qui part du bas, un ton ou un demi-ton en dessous, soit en partant d'un slide supérieur. Alors, le slide inférieur, ça donne ceci. Un demi-ton. Le slide supérieur, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, le rendu n'est pas du tout pareil. Le premier plan que j'aimerais vous montrer, c'est ce que j'appelle des remplissages. Ce sont des plans qui vont être entre les parties chantées, notamment sur le blues en 12 mesures, qui vont être à la mesure 3 et 4, 7 et 8, et 11 et 12. Alors, c'est des plans à corde ouverte, c'est-à-dire corde à vide, que je ne vais pas jouer avec le bottleneck pour l'instant. Je voudrais simplement vous les montrer un par un et vous faire le 12 mesures ensuite. Le premier plan que j'utilise est celui-ci. Le deuxième plan, qui résout différemment, et le dernier qui conclut sur le cinquième degré. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous jouer les 12 mesures pour que vous voyez en situation ce que ça donne. Le premier plan au bottleneck que j'aimerais vous montrer est un plan que l'on va jouer sur la cinquième position, c'est-à-dire sur la septième case, position de si, puisqu'on retrouve le mi avec les cordes à vide, le la à la cinquième case et le si à la septième case. Alors ce plan fonctionne sur les
trois degrés, c'est-à-dire le mi, le la, le si. Il faut simplement sur le si le résoudre d'une manière différente. Alors je vous le joue. En la, pareil. Et pour l'accord de si, je vais le résoudre différemment. Voilà. J'aimerais attirer votre attention sur les slides supérieurs que je fais, notamment sur cette partie-là. Où il faut vraiment être très très précis au niveau du jeu et bien avoir le bottleneck parallèle au niveau des frettes et sur la frette, pour être très juste. Le deuxième plan au bottleneck, un plan qui se joue à la 12e case, qui fonctionne sur l'accord de mi et que l'on peut déplacer en la ou en si à la 5e case ou à la 7e case. On va simplement utiliser les cases 10 et 12 sur les cordes de mi et si, sur les deux cordes aiguës. Et ce plan donne ceci, vous avez pu l'entendre dans le morceau d'introduction. Pareil en la à la 5e case. Et en si. Voilà, pensez toujours à être bien précis et bien parallèle au niveau des frettes. C'est très très important, surtout sur des plans comme ça, qui sont assez rapides. Le troisième plan avec le bottleneck se joue toujours à la 12e case. Il marche sur l'accord de mi. Et il marchera aussi sur l'accord de la et de si, mais avec une résolution différente. Je vous le montre en mi, et ensuite je vous montrerai la position de la et la position de si. Position de mi, position de la, je vais résoudre, au lieu de résoudre à la case 15, je vais résoudre à la case 17, en la. Ce qui donne... Et pour le si, pareil, je vais résoudre en si à la case 19. Le quatrième plan que j'aimerais vous montrer est un plan avec beaucoup de slides qui va se jouer à la 12e case sur les quatre dernières cordes. Donc sur la corde de ré, on va utiliser les cases 10 et 12. Sur la corde de sol, les cases 11 et 12. Et sur les deux dernières cordes, si et mi, les cases 10 et 12. Ce plan fonctionne en mi. Il faudra le transposer pour le jouer en la et le jouer en si. Alors je vous le montre en mi. Si. Alors pensez bien à être précis au niveau des slides. Vous voyez, je m'arrête bien toujours au niveau de la frette et le bottleneck toujours parallèle aux frettes. C'est très très important, sauf pour des effets particuliers comme faisait Johnny Winter, mais c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Le dernier plan que j'aimerais vous montrer est un plan avec des notes sautées, où je saute des notes, c'est-à-dire que je joue la corde à vide et je vais venir jouer des notes un peu comme un saute-mouton. Vous avez pu le voir aussi dans le morceau de démonstration. Alors, les notes qu'on va jouer, en fait, c'est la gamme de mi mineur naturel, c'est-à-dire mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse, ré, mi. Pour les cas, c'est 0, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, et même chose à l'octave qu'on peut reproduire. Donc le plan à vitesse normale donne ceci. Lentement, je joue deux notes à vide, puis une note frettée, qui donne... Voilà,
c'était la vidéo pédagogique de Mr. Hard Early. J'espère que vous avez pu apprécier ces quelques plans de slides au bottleneck, très inspirés de Johnny Winter et de Warren Haynes. Je vous invite à aller sur notre site hardearly.com, d'aller écouter notre nouvel album qui s'appelle I'm a Bluesman, dont ce morceau est extrait. Et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Tchuss.